Petite démo du débugger ARM. Donc on part d'un fichier qui par exemple ne fait pas d'affichage écran, donc du coup dont on ne peut pas voir l'exécution. Donc c'est un fichier qui fait juste une multiplication par deux sur une donnée. Donc on le compile avec les bonnes options de compilation pour avoir donc c'est essentiellement le moins G pour avoir les informations de débogage qui pourront être affichées. On lance le débogueur. On fait les incantations nécessaires pour qu'il reconnaisse qui reconnaissent le langage. On vérifie que ça correspond bien à ce qu'on voilà à notre programme. On place un point d'arrêt au début du programme parce que sinon on va l'exécuter sans se rendre compte de quoi que ce soit. On peut avoir une vue c'est quand on exécute qu'on pourra avoir une vue des registres. Donc on commence l'exécution. Donc les registres dans R0 tout au début, donc il y a une valeur 1 pour l'instant. Si on exécute donc la première instruction qui consiste à récupérer, donc la prochaine instruction c'est de récupérer la valeur qu'il y avait à l'adresse, si on regarde le listing, à l'adresse de la donnée. Donc on exécute cette instruction là qui récupère la valeur à cette adresse là. Le registre, voilà, R0. A maintenant la valeur 5. On peut continuer l'exécution. Donc le registre R2 par contre a une valeur un peu aléatoire. Bon, moins 1, c'est pas tout à fait aléatoire, mais c'est pas une valeur liée au programme. On a exécuté l'instruction de multiplication par 2. Voilà, le 5 est devenu. Enfin, le registre R1. Tout à l'heure, R1 avait une valeur à peu près quelconque. Maintenant, R1 a la valeur qu'on veut. Qu'est-ce qui reste à exécuter du programme? On est au niveau du LDR. Donc là, ça stocke. On va pas voir ce qui se passe. Sauf si on va chercher ce qu'il y a dans la mémoire. Si je me rappelle. Pour l'instant, à cette adresse-là, donc il n'y a rien d'intéressant. À l'adresse D, non plus. Alors, ça doit pas être ça, votre commande. Peut-être ça, voilà. Donc, au niveau de D, il y a bien 5, au niveau de R, il n'y a rien. Donc si on regarde ce qui reste à exécuter, donc c'est récupérer l'adresse et puis stocker l'information. Maintenant, si on regarde donc dans la mémoire, D, ça n'a pas dû changer. Et R, par contre, qui était à 0, est passant maintenant en hexa à 10, c'est-à-dire A. Voilà, on peut finir le programme. Fin de la démo.